Que grâce et paix, bon Dieu, avec nous. Alléluia. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Merci Seigneur. Je m'invite à l'ouvrir la Bible avec moi, Frère Maxime. Dans un premier temps, nous parler dans Luc chapitre 6, le verset 45. Et deuxième portion écriture, nous allons pour nous. Nous avons dans Éphésiens chapitre 4, le verset 29. Merci Seigneur. Nous allons pour Luc 6, 45. Il dit, un homme qui bon, c'est bon bagaille, il râle sorti dans le cœur, il qui bon. Un homme qui méchant, c'est mauvais bagaille, il râle sorti dans le cœur, il qui mauvais. Parce que ça qui dans le cœur un homme, c'est ça qui sorti dans la bouche. Amen. Merci Seigneur. Et nous prenons dans Éphésiens chapitre 4, verset 29 qui dit, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Adorable Père Saint Jésus, Papa nous qui est dans le ciel là, nous disons merci pour parole et nous demandons tant prie Père, bénis parole ça. Et permettez à ce que chaque petit ou qui l'a, joigne une parole qui pour édifier yo, qui pour transformer yo, qui pour libérer yo, et non va glorifier. C'est comme ça que nous prions, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous saluons encore une fois dans le nom puissant de Jésus. Que grâce et paix, bon Dieu, avec nous. Alléluia. Je dis à mes bien-aimés, parole, bon Dieu, portée pour nous, Lévine attire attention nous sur ça qui n'a que nous. Sur ça qui n'a que nous, et c'est ça qui fait. Le type message nous pour aujourd'hui, c'est ça que dans cœur, c'est ça ou bail. Ça que dans cœur, c'est ça que ou bail, c'est ça ou bail. Alléluia. Et parole la claire, il dit ça que dans cœur un homme, c'est ça qui sorti dans bouche li. Donc ça que dans cœur, c'est li ou bail. Depuis l'on gardé mes bien-aimés, et si nous remontons depuis du temps de la création, nous pralouer que la parole depuis dans commencement création hein, eh bien nous pral wè parole là il était déjà là et c'est ça que fait parole là il dit au commencement hein au commencement il dit la parole était déjà elle était avec Dieu et elle était Dieu parole là Jean 1er donc c'est peut-être ça mes bien-aimés parole là toujours a dit nous les puissantes parole là les créatrices. Parce que si là qui auteur, eh bien, c'est lui-même qui source parole là. Et qui est-ce qui source parole là? C'est Dieu. Tout comme lui c'est auteur et lui c'est source la vie. Merci Seigneur. Bien-aimé Ephraim Maximio, parole bon Dieu, moi dis non, les puissantes, les créatrices. Et parole là, les créer. Et ces paroles-là qui menaient toute bagaille à l'existence. Donc, ça veut dire qui ça? Ou pensez, en pile fois, nous pensez peut-être que ce n'est que la parole de Dieu qui a impact. C'est parole bon Dieu qui impacte. C'est parole bon Dieu qui fait impact, qui touche le monde. Et c'est ça qui fait, ou même en pile fois, ou prendre à la légère, parole qui a sorti dans la bouche. La paix bon Dieu avec vous. Peut-être qui ça parce que ou maintenant tête tout c'est parole bon Dieu seulement qui capable toucher monde c'est parole bon Dieu seulement qui capable impacter monde c'est parole bon Dieu seulement qui gagne impact ou pas jamais fait mention ou pas jamais tenu compte de ou même ou pas jamais tenu compte de ou même de qui est souillé et de qui parole que ou a prononcé qui parole qui saute dans bouche ou prend tout ça que ou a prononcé ou prend à la légère toute parole que ou a dit ou prend à la légère ou prend toute parole qui saute dans bouche à la légère. Qui t'aime dit aujourd'hui, toute parole, mes bien-aimés, li bay naissance, li mène à existence yon bagay. Toute parole qu'on prononce, li fait naître quelque chose, li bay naissance à yon bagay, li mène à l'existence yon bagay. Alléluia. Donc, c'est seulement, c'est si là qui pote parole là, qui bal orientation. C'est si là qui pote parole là, qui dirige parole là, mes bien-aimés. C'est ça que fait lorsque mon Dieu, mes bien-aimés, dans Genèse, li bay
à l'homme qui sal baille l'homme, li baille à l'homme le souffle de vie. L'el baille l'homme souffle de vie, li automatiquement mes bien-aimés communiquer à l'homme la capacité de parler. Alléluia. Li vinn baille l'homme yo pouvoir mes bien-aimés. Pouvoir pour parler. Mais qui ça qui pousse mon Dieu à parler? Qui ça qui pousse mon Dieu à parler mes bien-aimés? Ça sont gros questions pour poser tête aujourd'hui. Hein? Ou a dit pour qui ça mon Dieu? Hein? Qui ça qui pousse mon Dieu à parler? C'est que l'ité gè ça nan keli. Oui, bien-aimé. Li gè ça nan kèl. Bon Dieu gè yon kè. Tout comme ou même tout li bon li. Li bon yon kè tout. Et qui ça kè a mes bien-aimés? Kè a se siège toute vie physique. Que à ses sièges, toute vie spirituelle. Par contre, si peuple bon Dieu avait là. Que à mes bien-aimés, mon doux ses sièges, toute vie physique. Depuis pas gagner, depuis que a pas battre encore, et puis toute bagaille fini. Toute bagaille fini, mes bien-aimés. Donc, que à ses sièges, toute vie physique. Depuis il était problème. Depuis il était là, tout le monde a couru, toute bagaille fini. Et en même temps tout, li se siège toute vie spirituelle. Donc en un mot, nous capable d'où cœur a se centre tout ou même. Se centre tout ou même. Se centre tout ou même que cœur a est parce que c'est là que ou garder tout trésor, c'est là ou garder toute richesse ou. Et c'est peut-être ça mes bien-aimés, là n'a parlé de cœur, Jésus pral dit à disciples yo dans Matthieu 6 le verset 21, il pral dit car ton cœur sera toujours là où sont tes richesses. La paix mon Dieu avec vous. Vous entendez? Côté cœur yé, c'est la trésorier, côté cœur yé, c'est la richesse ou yé. Et ça fait jodi a m'gen doit m'kamando qui ça ou même qui dans cœur. Qui ça dans cœur aujourd'hui a? Alléluia. Qui ça qui en abondance? Qui ça qui en abondance? Qui ça ou gagné à gogo dans cœur aujourd'hui a? Qui ça à gogo dans cœur? Qui ça ou gagné en abondance dans cœur aujourd'hui a? Qui ça qui richesse aujourd'hui a là? Qui ça qu'ou gagné dans cœur aujourd'hui a qui en abondance? Est-ce que c'est inquiétude? Est-ce que c'est peur? Est-ce que c'est panique? Est-ce que c'est tracas? Est-ce que c'est souci la vie? Est-ce que c'est problème yo? Qui ça qui en abondance dans cœur? Est-ce que c'est accusation yo? Est-ce que c'est panique yo? Est-ce que c'est jugement yo? Est-ce que c'est plainte yo? Est-ce que c'est plaie yo? Est-ce que c'est rivalité yo? Est-ce que c'est jalousie qui dans cœur aujourd'hui a? Est-ce que c'est haine qui dans cœur aujourd'hui a? Est-ce que c'est rancune qui dans cœur aujourd'hui a? Est-ce que c'est impudicité qui dans cœur aujourd'hui a? Est-ce que c'est mauvais désir qui dans cœur aujourd'hui a? Est-ce que c'est une bonne vieille pensée négative qui n'a cœur aujourd'hui a, on va venir penser et contrôler. Est-ce que c'est eux-mêmes qui n'a cœur aujourd'hui a? Qui ça qui n'a cœur aujourd'hui a? Qui ça qu'on gagne en abondance dans cœur aujourd'hui a? Alléluia. C'est eux-mêmes qui peuvent répondre question ça. Parce que mes bien-aimés, parole là est claire. Là nous garder Luc 6 45 là, il clair, il dit you homme qui bon. Alléluia. C'est bon bagaille. Il va ressortir dans cœur qui bon. Un homme qui méchant, c'est mauvais bagaille, il aller sortir dans cœur lui qui mauvais. Parce que ça dans cœur un homme, c'est ça qui sorti dans bouche lui. Wow! Alléluia. Amen. Ça dans cœur un homme, c'est ça qui aller sortir dans bouche lui. Yes, sac dans cœur un homme, c'est sac sorti mes bien-aimés. Pas gen l'autre bagaille qui sorti dans bouche ou que sac dans cœur parce que c'est sac dans cœur qui sorti de yo. Bien-aimé, ça veut dire qui ça? Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que cœur son réservoir de trésors et parole là mes bien-aimés, c'est li vinn qui ça? Li vinn jouer rôle, li vinn un révélateur. Donc si mes je connais son dimanche c'est dans cœur li sorti. Livin révélateur. Parole qu'on prononce, livin révélateur. C'est parole qu'on prononce qui fait moi à qui moun m'en a fait. La paix bon Dieu avec eux. Et ça ou dit, c'est gens parler, c'est ça ou prononcer, c'est parole qui sort dans bouche, c'est lui qui fait moi à qui est-ce m'a fait, à qui moun m'a dit, à qui moun qui bon côté, qui moun m'a côtoyé là, qui personnage ça qui bon côté, non. C'est ça qui fait. Pas quitter des potes bagages sur dans bouche.
quitter mes bien-aimés. Dans le cœur, c'est mauvais trésor qu'il la donne. Parce que lorsque parole là, mes bien-aimés, les sortit, lorsque parole là, dans le cœur, eh bien, les pral bay, c'est vous-même qui pouvez bali une orientation. Et qui orientation la parole de Dieu vindou pour bay parole sa jodia, une orientation qui pour édifier moun, la paix bon Dieu avec vous. Une orientation qui pour porter la paix, alléluia. Une orientation qui pour porter quiétude. Une orientation qui pour porter grâce. Une orientation qui pour porter cœur content. Une orientation qui pour porter guérison pour moun qui malade. Une orientation qui pour porter grâce, mes bien-aimés. Non seulement pour vous-même, mais pour tout le monde qui bon côté, la paix bon Dieu avec vous. C'est orientation ça mes bien-aimés pour parole la gagner. C'est ça que fait nous dire ça dans cœur c'est son bail. Parce que nous dire sous son gagner c'est le bail. Ou pas bail son pas gagner. La paix bon Dieu avec vous. Ou pas bail son pas gagner mes bien-aimés. Si nous pas gagner l'amour, est-ce que me ca bail l'amour? On pas gagner cœur content dans moi. Est-ce que me ca bail cœur content? On pas gagner grâce dans moi-même. Est-ce que me ca bail grâce? Parce que pour me bail grâce faut me grâce dans cœur. Pour me porter la joie tout côté moyen, pour me porter cœur content tout côté moyen, faut me cœur content moi-même. Pour me guérir monde, faut que moi-même me guérir. La paix bon Dieu avec vous. Faut guérison dans cœur. Pour me porter mes bien-aimés quiétude pour monde, faut que moi-même me gagne quiétude là. Donc c'est ça que fait jodi a li vinn di ou parole la vinn di jodi a ça dans cœur, c'est ça ou bay. Yo parole mes bien-aimés mauvaises, yo parole mes bien-aimés méchantes, ou parole qui pas porter, qui pas porter en rien. Donc ou parole qui mauvaise, c'est qui ça? C'est lorsque parole ça, li pas porter max sous là. Qui ça ça veut dire? Sous ça c'est bon Dieu. Le parole la mauvaise mes bien-aimés, parole la méchante, li pas joindre sous li dans bon Dieu. Alléluia. Donc tout autant que vous prononcez mauvaise parole, tout autant ces paroles de graines gauche que vous prononcez, tout autant ces paroles mauvaises que vous répétez, tout autant ces paroles méchantes que vous prononcez, eh bien, ou pas connecté dans bon Dieu. Parole ça pas joindre source, il pas sorti dans source là. Donc plus vous prononcez vieille parole, plus ces paroles mauvaises que vous bail, eh bien c'est plus vous multiplier mes bien-aimés mauvais bagailles. C'est plus soit multiplier mauvais bagaille dans la vie ou, parce que moi saut dit ou pas oublier parole là li créatrice parole la puissante parole la créatrice la parole crée le prononcer yon parole ou mener un bagaille à l'existence ou bail naissance à yon bagaille. Autant de fois qu'on prononcer de mauvaises paroles sous la vie ou sous la vie petite ou sous entourage ou sous famille ou, eh bien la privé mes bien-aimés. C'est ça que fait ou gen intérêt pour pas prononcer aucune parole négative qui te sorti dans cœur que des paroles qui capable encourager, qui capable produire de bons fruits, qui capable mes bien-aimés bénir. Parce que l'on prononcer mauvaise parole ça yo pas gen l'autre bagaille que l'a fait l'a tuer et l'a détruit. La paix bon Dieu avec vous. Roi David mes bien-aimés, il était bien conscient de bagaille ça. Et c'est peut-être ça. Roi David pral faire une prière. Une gros prière. Et pas en pile parole que le pral dit, mais une prière très profonde que nous joignons dans Psaume 141 le verset 3, côté li pral dit que ma bouche ô Éternel reste sous ta surveillance. Veille aux portes de mes lèvres. Alléluia. Autant nos prières. Alléluia. Que ma bouche, ô Éternel, reste sous ta surveillance. Veille aux portes de mes lèvres. Mais vous priez pour moi avec vous, fait chaque jour mes bien-aimés. Pour bouche nous, mettez en bas contrôle, en bas surveillance l'Éternel. Pour l'Éternel veiller dans porte bouche nous. Pour demander l'Éternel à chaque fois que bouche ou pral l'ouvrir pour le parler, pour c'est lui-même qui bail autorisation. Veille aux portes de mes lèvres. Mes bien-aimés, on suspend à tristé Saint-Esprit. À parole qu'on prononce chaque jour. À vieille parole qu'on dit à bouche ou matin, midi, soir. On suspend blessé frère action ou yo. On suspend porter tristesse pour moun. On suspend blessé moun. On suspend blessé frère action ou yo beaucoup de nous.
frère action yo qui bon côté nous en suspend blessé yo ak parole que n'a prononcé à mauvaise parole la parole négative que n'a prononcé en communiquer grâce en communiquer joie en communiquer guérison en communiquer la paix jodi a frère Maxem yo so genyen c'est li ou bay sak nan cœur c'est so bay sak nan cœur c'est sa bouche ou di c'est sak nan cœur c'est lui même qui sorti sak nan cœur c'est sak sorti nan bouche ou pas gen l'autre bagay qui pral sorti que sak nan cœur et sak fè jodi a m'invite ou a fè prier ça. Roi David te dit que ma bouche au éternel reste sous ta surveillance, veille aux portes de mes lèvres. Je dis à moi, vin dire, mande Seigneur, à ton cœur sincère, mande jodi a, que ou vle, ou gon désir, pourquoi Christ la planté dans cœur, pourquoi Christ la planté dans cœur, pour capable, jodi a, pour penser ou capable purifier. Pour capable crucifier toute vieille pensée négative, pour capable crucifier toute pensée, toute capacité de méchanceté qu'il a caillou, toute capacité de tromperie qu'il a caillou. Mandez le Seigneur à soya, mandez le Seigneur jodi a frère Maxem yo, pour capable gen bon bagay nan cœur, pour capable gen bon bagay kap soti nan cœur. Pour ces paroles de connaissance, parole qui pour communiquer une grâce, parole qui pour communiquer la paix, parole qui pour guérir, parole qui pour ranger, parole qui pour bailler cœur content, parole qui pour transformer, c'est ça qui pour sortir dans bouche. Quitte cœur aujourd'hui rempli avec Jésus, quitte cœur rempli aujourd'hui avec Saint-Esprit et choisi adorer mon Dieu en tout temps, bénir mon Dieu en tout temps, comme il se doit mes bien-aimés, et au pral ouais, et au pral ouais. Bouchou pral servi pour adorer. Bouchou pral servi pour louer. Bouchou pral servi pour exalter nos bon Dieu. Bouchou pral servi, oui, pour glorifier nos bon Dieu. Et ou pral connaît. Ou pral ouais, qui j'en ou pas adorer bon Dieu ou l'autre j'en. Tout temps et en toutes circonstances. Ou pral ouais, comment le monde qui bon côté ou, monde qui bon côté ou pral béni, la vie ou pral changer. À partir de ou même qui changer, à partir de ou même qui vient faire yon clean up dans le cœur, et ou vient mettre yon lot bagay dans le cœur, ou vient mettre quoi, ou vient crucifier toute pensée négative, ou vient crucifier toute capacité de méchanceté, toute capacité de tromperie, toute rancune, tout orgueil, toute jalousie qui était dans le cœur, qui te fait que c'est des paroles méchantes côté qu'on a prononcé, ou crucifier aujourd'hui à ou vient dans l'autre monde. Et Jacques 3, verset 11, après nous, dit d'où la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère. Non. Bouche ça que le Seigneur baoua. Koto connecté à, dans source qu'on connecté à, li pa bay de l'eau. Li pa bay de l'eau douce en même temps pour bay de l'eau en mer. Frère Maxem yo, nous bénissons le Seigneur, nous dit mon Dieu merci, parce que le restaurer aujourd'hui a. Parce que le restaurer aujourd'hui a, li bo yon l'autre cœur. Yon cœur. Oui, qui est capable de produire de bons fruits. Yon cœur qui vient en bonne terre, qui est capable de produire de bons fruits en abondance, au nom de Jésus. Amen.